pratique, c'est du luge. C'est pas possible, ça. La tigresse, c'est comment ma puce? Bonjour. Oui. Bonjour, Una Kamdem. Bonjour, Tatami Beauté. Merci pour les cœurs, ma tata d'amour. La maîtresse. Merci Marthe. Bonjour. Amand Mafo, bonjour. Mes amours, vous savez, je suis grippée et j'étais en train de me reposer. On me dit que les bêtises qui est la salle, la mbunga séchée qui est de l'autre côté là. Elle dit que quoi? Quelle est qui? Qu'elle fait quoi? Peur de moi. Je ne peux même pas perdre mon énergie à clasher avec une fille du pays. Ma photo que tu as mise sur ta page là. Connectez-vous et partagez le direct. Je voulais attendre un peu plus pour pouvoir faire le direct sur la poubelle-ci. Partagez un peu le direct, mes cœurs. Tous les Nangaboko que tu vois à l'hôtel, oui, à l'hôtel à Kwapalas là, la majorité là, je les connais. Méfie-toi. Méfie-toi. Ce que tu cherches derrière les fesses de temps, maman, tu vas trouver. La fille de moi. Ne me tente pas. La fille de moi, pour flore de vie. Tu ne m'as jamais vu mettre ma caméra et menacer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Maman, la fille de moi, pour flore de vie. Je dis bien que ne fais même pas l'erreur. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Je ne vais pas payer l'argent pour qu'on t'enferme. Mais je vais payer pour qu'on te bute ta race. Maman, vous dites. Je vais payer pour qu'on te bute ta race. Fais des pépettes là avec tes soeurs du village. Fais des bêtises que tu fais là avec tes soeurs du village. Je ne suis pas ton égal. Toi et moi ne jouons pas dans la même cour. Toi et moi, on ne joue pas dans la même cour. Maman, elle est née de ça. Perdre ta vie dans les réseaux sociaux. J'ai dit que. Mais Jean, c'est seulement à cause de la photo postée. Je n'ai même pas encore parlé. Les organes. J'ai seulement posté sa photo. Je poste seulement. Vous savez pourquoi ils vous aiment, mes abonnés? Vous savez pourquoi ils vous aiment, mes tatas? Parce que je n'ai même pas souvent besoin de clasher quelqu'un. Quand elle poste seulement la photo, lavez la personne en commentaire. Ça pénètre. Ça pénètre. Parce que je vous dis toujours que méfiez-vous.
Mais viens pour. Tant que ce sont les filles de Ben, elles me caricaturent, qu'elles font tout. C'est Ben. Moi, je vais te caricaturer. Toi, tu es au village. Je vais te caricaturer. Tu ne te connais ni là-dedans. Tu ne me connais pas. Mais tu as dit que quand tu parles de moi, tu dis la fille du Cameroun. Oh. Poisson fumé. Tu as dit que quand tu parles de moi, tu parles, tu dis que la fille du Cameroun, non. Et tu dis que tu ne me connais pas comment. Tu es venu ici pour entrer dans mon direct, non. Coucou maman Lily d'amour. Bisous, bisous. Tu dis que tu ne me connais pas. Mais c'est toi qui dis encore que quand tu me clashes, quand tu me parles, tu dis la fille du pays. Hein? C'est toi qui es venu pour monter dans mon direct ici, non. L'autre jour. Jusqu'à les abeilles ont dit ne la prends pas, ne la prends pas. Elle vient dire quoi ici? Tu es venu lancer la paix. Tu cherchais la stam. Tu voulais que je parle de toi depuis. Et je vais parler de toi, mais tu vas te laver propre, mais de haute forme. De haute forme. Tu voulais que la lionne parle de toi, non? Ago soryou. Hein? Ago lave you. Tu ne me connais pas, tu ne parles pas aux filles du pays. Tu venais lancer l'appel dans mon direct dernièrement pour faire quoi? Hein? Tu venais lancer l'appel dans mon direct pour faire quoi? Je parle avec des filles comme toi. Hein? Toi et moi, nous sommes de la même catégorie. Hein? Nous sommes du même... Mais Jean, ce n'est pas la fille ici qui a lancé l'appel dernièrement ici. On était ici jusqu'à... Vous tous, vous avez dit que ne prends pas, ne prends pas. Elle a lancé deux fois. Ce n'est pas elle. C'est quelqu'un d'autre. Vous, les filles du pays, moi, je n'ai mec. Sa pâque, on t'a doigté le jour de ton mariage. Social. Mais je dis, qu'est-ce qui t'arrive, toi, là? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Je te dis que j'ai les moyens de ma politique. Même s'il faut que je donne 500 000 à quelqu'un au Cameroun pour te taire la peau, je vais donner 500 000 à quelqu'un. Tu as compris? Tu n'as pas de nourriture que tu vas manger pour avoir les moyens de ta politique pour payer qu'on me fasse ce que tu dis là. Ma photo que tu as mis sur ta page là. Sache que tu déclares la guerre avec la mauvaise personne et j'arrive au pays bientôt. Moi je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Quand je parle, quand je ne veux pas avoir affaire à quelqu'un, je l'ai dit. Même si tu es sur les réseaux sociaux, quand tu fais les vidéos, je t'évite. Parce que je me suis toujours dit que nous ne sommes pas, nous ne mangeons, nous ne pouvons pas manger à la même table. Nous ne pouvons pas manger à la même table. Nous ne pouvons pas se croire. Mais fais gaffe. Fais tes trucs avec tes ayamseurs. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas Nicole Kedja. Je m'appelle Bissot Elise. Maman, j'ai peur. Je te dis que j'ai grandi. Maman, j'ai peur. J'ai peur. Mais genre, je tremble. J'ai grandi à quoi? Toi, il n'a pas beaucoup que tu vois là. Je tremble. Je les connais. Je tremble. J'ai trop peur. Pour niquer ta race. Tu as compris? T'en viens à moi ici. Je ne te dis même pas que enlève ma photo. Toi seul, tu vas enlever la photo. Je n'enlève pas. Toi seul. Je n'enlève pas. Pète avec tes gens. Tes soeurs du village. Fais des choses. Je n'enlève pas ta photo. Je ne t'ai jamais. Élise Bangala, je n'enlève pas ta photo. Bangala. Je n'enlève pas ta photo. La seule femme qui était doigtée par une autre femme le jour de son mariage. Amen. La seule pourriture qui a été doigtée le jour de son mariage. Amen. Tu parles que les gens utilisent les gouttes. Toi, tu utilises que le pilon qu'on tourne le couscous avec. C'est ça que tu utilises. Et tu es mariée. Tu es là, sale comme tout. Un teint sale, mal formé, de tout. C'est-à-dire que quand on te regarde, on n'a même pas envie d'être une femme. Une salotologue de Pro Max. C'est toi qui vas venir poser ta caméra pour parler aux gens, on ne te parle pas. Une pourriture.
Ngawo, je ne te connais pas. Tu es venu lancer l'appel ici, non? La seule femme qui a été doigtée le jour de son mariage. Amen. Salotolo. J'ai peur de toi. Je n'ai jamais fait de live sur ta personne. Hey. Je n'ai jamais. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Hein. Maman, elle pleure. Tu vas perdre ta vie sur les réseaux sociaux. Moi, je ne bluffe pas. Hein. Hey. Tu vas perdre ta live sur les réseaux sociaux. Quand on va te buter, quand on va t'écraser avec la moto ou une voiture, voilà. Il ne faudra pas dire que. Oh, oh, oh. Hey. Tu as compris? Eh, wow. Voilà, c'est le fief de Mazembe. Eh. Hey. Mazembe me met à peur. J'ai peur, maman, j'ai trop peur. Je tremble, je tremble. Elise Bangala, je tremble, je tremble. Eh, je suis la mangue. Eh, regarde à quoi tu ressembles même d'abord. Tu vas avoir le temps. Est-ce que je te donne mes plans de guerre? Eh, donc tu veux faire la guerre avec une fille au pays? Le plan de guerre. Mais je vais te cueillir, voilà. Eh, la mangue de ça. Après, je vais vous prendre, Flore Semeni. Qui donne le pouvoir à cette morphine qui est au pays, là? C'est Flore de Lille. C'est la morpho. La fabriqueuse, celle qui fabrique et défabrique. Oui. Je te dis que non, mec, erreur. Eh. Non, mec, erreur. Eh. Comme tu me vois là. Dégage. Comme tu me vois là. Voilà quelqu'un qui cherche elle. Hey. On va te défigurer. Tu vas. Attends. Hey. Attends, c'est pas parce qu'on vient en bain. Hey. C'est pas parce qu'on vient en bain. Mouf. Que tu crois que. Va là-bas. Là, une partie de nos cerveaux n'est pas zenzen. Hey. Maman, Adama, mais Jean, on peut crier sur une fille qui vit au pays comme ça, Adama. On peut vouloir dépenser l'argent pour finir avec une fille qui est au pays comme ça, Adama. Hein? Mince! Hey! Hey, hey. On peut crier juste. J'ai posté seulement sa photo, hein? J'ai seulement posté sa photo. C'est-à-dire que même, je ne sais pas. Je n'avais même pas encore parlé de cette poubelle. Bangala, Elise Bangala, tu n'es personne. Et tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien. Tu n'es qu'une poubelle. Tu n'es qu'une saleté. Tu n'es qu'une morveuse. Une pleurnicheuse. Mais attends, regarde-toi, ma chérie. Dès que je suis en Bengue, n'est pas le profit qui est au pays. Gna, 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 gna. Et puis tu t'épuises l'énergie comme ça. Mais regarde comment je te parle. Je te parle avec. C'est-à-dire que j'ai pas de pression. Eh, bou, 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 tu cries quoi? Elise Bangala, tu cries quoi, salotologue? On t'a doigté le jour de ton mariage. Amen. On t'a pas doigté. Tu peux pas dire la vérité. Pose ta caméra. Tu dis qu'une autre femme t'avait doigté le jour de ton mariage. La seule femme camerounaise qui a été doigtée par une autre femme le jour de son mariage. Elise Bangala, tu n'es qu'une poubelle. Tu peux me faire quoi? Tu as quelle tête? Tu es qui parmi les gens que j'ai déjà lavé dans Facebook? Et moi, une saleté, je connais les gens à Aqua. C'est seulement toi qui connais les gens à Aqua, maman. Le plus grand nanga de Aqua, c'est mon cousin. Tu as compris avec quoi? C'est mon cousin, le plus grand. Quand tu prononces seulement son nom, les gars se tournent pas. Ils font seulement la main comme ça là. Tu as compris? Une sapac comme ça. Je connais les nanga au Cameroun à quoi? Tu peux avoir le pouvoir dans Douala plus que moi. Tu peux avoir le pouvoir dans Douala plus que moi. Même une sale chose comme ça, dis donc. Jusqu'à parler. Maman, j'ai dit que jusqu'à mes tatons, même, vous avez peur de la poubelle si. Elle peut faire quoi à une mouche? En dehors de bavarder, elle crie, on n'a même pas son temps là. Elle peut faire quoi à une mouche? Une salotologue. Mais regarde ton temps. Même, c'est mieux que tu fasses le njansan. Parce que tu es sale. Mais de haute forme. Hein, Pauline, c'est comment mon petit? Hey. J'ai toujours dit que même les filles du pays qui viennent. C'est d'aller sur mes lives qui viennent m'insulter, qui viennent commenter. Ça m'énerve parce que je n'ai rien à dire. Ça t'énerve.
Toi, tu insultes ma Fleur de Lune depuis la nuit des temps. Tu te lèves, tu te brosses avec elle. Tu te couches, tu te brosses avec elle. On poste seulement ta photo, tu cries. Tu alertes, tu veux payer les gens pour une fille qui vit au pays, maman. Pour une fille qui vit au pays, Élise Bangala. Donc, tu as le cœur de poulet comme ça. Emma. Donc, ton cœur est trop fragile comme ça. Ne me tente pas. Move, je te tente de haute fort. Hein, saleté. Mais te lave, non? Tu m'as fait quoi? Mais regarde-toi. Une heure de temps à bavarder les conneries qui n'ont pas de sens. Hein, tu peux, il te demande si tu peux même tuer la mouche. Tu peux faire quoi à qui? Tu peux, est-ce que tu vois une fille du pays? Regarde-moi, tu te regardes. Toi qui vis en Beng. Un salotologue, gros petit. Hein, Johnny Bravo. Hein, ton nom même que je vais donner, c'est Johnny Bravo. Tu parles à qui, Johnny Bravo? Hein? Johnny Bravo, toi et moi, nous sommes pareils. Johnny Bravo, toi et moi, nous sommes pareils. Quand tu regardes, tu me regardes face to face là. Je suis comme toi. Sans chose. Johnny Bravo, on t'a pas doigté dans ton mariage. Une femme t'a doigté, non? N'importe quoi. Salotologue. Je ne m'adresse pas à elle. Mes lives ne les concernent pas. Mes lives concernent les femmes qui vivent en Europe comme vous. Mof, dégage. Ma faute t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi pour que tu l'insultes tous les jours? Un peu, tu parles à racoler derrière. Tu viens l'insulter devant les gens. Tu racoles les gens. Ce n'est pas toi qui appelais dans mon direct ici l'autre jour. Si tu discutes, je rentre, je capture, je viens envoyer. Tu m'as racolé combien de fois ici sur Facebook? Gay ne parlait pas aux filles du pays. Si moi j'étais comme les filles qui aiment racoler les gens en désordre, là, c'est passé, il dit, ma faut une place dans le méta. Je ne racole pas. Tu es venu me racoler ici, là-dedans, sur ma page fatiguée. Je n'ai pas eu ton temps. On t'a chassé, les abeilles t'ont chassé comme une vieille chaussette. Tu viens t'asseoir jusqu'à, tu dis que tu menaces, qui saleté. Tu peux me menacer. Toi, tu peux me menacer. Sale chose. Hein? Attendez, je bloque d'abord cette poubelle-là. Hein? À part de créer vos faux profils pour venir commenter avec, vous pouvez encore faire quoi? Élise Bangala, Johnny Bravo, tu peux me faire quoi? Je vais payer les gens. Écoutez-moi la saleté. Les Mpengis. Mais tu as pris ma photo. Une villageoise comme ça. Je dis que ça, je ne me connais pas. Eh. Hey. Je dis que tu ne me connais pas. Eh. Hey. Fais ça, Nicole Kecha, tout le monde. Mouf, je te fais ça à toi. Mouf. Dégage, salotologue. J'ai les moyens de ma politique. Tu as les moyens de ta politique. J'ai les moyens. Envoie alors, maudite femme. Envoie. Tu as vu comment on avait fait à Paul Chuta? Et puis quoi? Oui, et puis quoi? Envoie alors. Et pourquoi tu bavardes? Tu vas me dire, si tu les gens qui ont fait à Paul Chuta, est-ce qu'ils ont bavardé? Ils n'ont pas bavardé? Prononce encore son nom. Ta bouche. Élise Bangala. Johnny Bravo. On va te. Attends. J'ai mon argent, non? Ne le jetez pas à la fenêtre. Tu as quel argent? Toi, quand on parle des gens qui ont l'argent, tu as quel argent? Hein? Tu ne peux pas faire le direct comment tu bois une coupe de champagne. Tu vas presser le ginger l'ail, mettre dans le verre, venir bavarder avec. Tu as quel argent, Bangala? Donc tu insultes les gens sur les réseaux et tu as cœur de poulet. Hein? Regardez-moi ça. Sale! Regardez les ongles. Salotolo, mouf, va là-bas. Non, elle est âgée. Mouf, tes poils. Tes poils. Faut pas laisser nos gens, les légumes, là, nous manquer de respect. Qu'elle fait ça aux gens qu'elle veut. Je te manque de respect. Moi, je te manque de respect. Qu'elle fait un live sur ma personne. Voici le live que j'ai fait, non? Voici le live que j'ai fait. Fais ce que tu vas faire, on voit. Mouf. Et me bi. Il dit que il lent. Tu as compris? Élise Bangala. C'est parce que je suis un peu souffrante. Je devais bien te brosser. Quand tu vois les gens mettre la caméra sur les réseaux sociaux, tu les regardes comme ça, tu ne sais pas qui est qui. Coucou, ma Rosie. Même ta
Nikita Fernandez. Jean, je te... Je suis mille fois plus folle qu'elle. Regarde-moi les bêtises. Elle est assise dans le canapé comme la tortue. Mouf. Oh. Il dit, Johnny, bravo. Elise Bangala, tu ne peux rien me faire et je n'ai pas peur de toi. Tu es la dernière personne que je peux avoir peur d'elle sur Facebook. Tu as compris? Et que la dernière que moi je peux rester comme ça, je panique. Parce que tu n'es personne. Depuis que tu laves ta patronne là, hein, la mafo, est-ce qu'elle te gère? Parce que tu n'es personne. Une petite photo postée, tu pleures. Hein? Attends, je guéris. Hein? Attends que ma grippe s'y finisse. Je vais m'asseoir sur toi. Même pendant une semaine, tu vas passer à l'émission Actualité de la Toile. Tu vas nous expliquer pourquoi tu propages le tribalisme sur la toile. Tu vas nous expliquer pourquoi tu es en train de créer le tribalisme au milieu des Camerounais. Je vais dénoncer ça dans l'émission Actualité de la Toile. Une sale tribaliste comme ça. Donc on va parler, on va menacer les gens. Toi aussi tu menaces, salotologue. Que même si j'étais à Yaoundé, tu devais me faire quoi? Hein? Même si j'étais à Yaoundé, tu devais me faire quoi? De wow, je vais monter les gens, je vais payer ta tête. Tu peux payer la tête de quelqu'un. Toi-même, tu as de quoi manger? Tu manges quoi pour boire l'eau, pour dire que tu vas payer la tête de quelqu'un? Sale fille, si tu pouvais payer la tête de quelqu'un, c'est que tu as payé la tête de ma faute. Une chienne comme ça, tu penses qu'on a peur de toi? Doti, va te laver, dis donc. Tu viens puer devant les gens avec ton sale teint là. Il y a les gens qui sont noirs et propres. Mais les gens comme toi là sont sales. Tu es bien sale. Salotologue. Tu parles aux gens, tu portes le verre. Les ongles sont sales. Mais regarde mes doigts, je n'ai même pas mis les ongles, wesh. Je n'ai pas mis les ongles, mais je suis propre. Hein? Va te laver avant de venir me parler. Elise Bangala, va te laver proprement. Nettoie-toi bien. Tu laves bien tes sales fesses qu'on doit tous les jours là avant de venir me parler. Tu peux me parler, toi? Donc les gens vont me parler. Tu vas t'asseoir pour me parler. Hein, carrément. Moi-même, je dis que je suis fatiguée. Hey. Ne me cherche pas. Hey. Je ne suis pas ton égal. Mouf. Quand toi, tu insultes les gens, même quand... Quand toi, tu posais ta caméra, tu parles, tu dis que la fille du pays, là, je t'avais cherché. Je te cherche, c'est toi-même qui dis que tu cherches, non? Hein? Je vous ai toujours dit que je ne réponds pas quand vous me parlez, là, 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 là. Mon moment, quand je veux parler, c'est à part, je suis imprévisible. Quand tu t'assois, tu parles, tu dis la fille du pays, c'est bon à toi, non? Mais moi, poste seulement ta photo, tu bavardes. Sale chose, appelle même le pape, appelle qui tu veux. Tu as compris? Chienne. Ni de haine. Je ne t'ai jamais clashé. Hey. Je ne clash pas les villageois. Hey. Je ne peux pas te clasher. Maman, regarde-toi, tu me regardes. Je clash les gens qui... Je dis, hey, tu parles de villageoise. Regarde-toi, tu me regardes. Hein? Johnny, bravo. Toi, tu peux être comme ça. Regarde-toi, tu me regardes. Regarde-moi. Je suis simplement bien léger, cabane, mais je chagne. Toi, tu es là-bas, noir, sale. Tu suis même la peau noire. Parce que tu es sale, tu n'entretiens pas ton corps. Hein? Si tu soulèves tes entrejambes, on va fuir. Même ne serait-ce que tes aisselles. Tout le Cameroun va fuir. On va déserter. Ha! Wonderful. Comme moi. Toi, qu'est-ce que je vais dire de toi? On dit tout de toi ici sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais bien dire de toi que tu peux m'intéresser? Rien. Alors, je vais... Tu ne peux rien dire parce que tu n'as rien, ma chérie. Vous n'avez rien sur moi. C'est pourquoi quand elle vous lave, j'ai le goût. Parce que vous n'avez rien sur moi. Hein? Vous n'avez rien sur moi. Si vous avez quelque chose sur moi, vous allez vous asseoir dessus. Vous n'avez rien. Tu vas d'abord me dire quoi? Tu vas me clasher que quoi? Je suis propre. Je m'habille bien. En fait, je me débrouille. Je me coiffe bien. Hein? Tu vas me dire quoi? Je vis au pays comme toi qui vis en Beng. Oui. Je vis au pays comme toi, tu vis en Beng. La seule jeune blogueuse qui vit au pays, plus que les salotologues de Beng comme toi, c'est moi. Bien entretenue. Entretenue par ma mamoun. Hmm? Par maman Fauflor de Lille. C'est que tu as toujours voulu qu'elle soit à tes côtés. Une ingrate comme toi. Sale chose.
Donc là où les gens vont menacer la lionne, toi tu peux poser ta caméra, tu me menaces, ma. Tu es née. Tu n'es pas née. Ouais, la grippe, si me fait quoi comme ça, et si tu veux seulement me coucher et dormir. Hein? Donne-moi une bêtise comme ça. La personne qui t'encourage ne sera pas là. Eh. Qui m'encourage? C'est la deuxième personne qui t'avait dit non. Eh. Quelle deuxième personne? Tu es même la dixième. Depuis qu'on est dans Meta, eh. Tu n'as jamais entendu ça. Mouf, dégage. Que tu es qui? Tu es quoi? Oui. Tu n'es personne. Je te méprise. Mais c'est super compte, non? Mais c'est super compte. Je suis une vraie Nangaboko. Eh. Nangaboko même ne parle pas. Je suis Nangaboko. Oh. Même les talibans ne parlent pas. Hein? Même les talibans ne parlent pas. Les vrais gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils ne s'asseyent pas pour bavarder dans Facebook. Tu as la grande gueule, non? Tu as insulté les gens d'hygiène, non? Toi, moi, je ne t'ai même pas insulté. C'est maintenant que tu laves parce que tu m'as mis au défi. Je n'aime pas les défis. Ah oui, je suis allégée au défi. Quand tu me mets au défi, je te mets ça bien profond au milieu de tes sales fesses qu'on doit là. Tu as compris? Hein? Tu ne peux rien. Parce que tu n'es personne ici. Qui te connaît? Tu peux même déplacer un nanga, toi là. Tu connais les gens qui déplacent. On t'a dit que les nangas se déplacent n'importe comment. Hein? Moi, je peux déplacer les nangas. Toi, tu peux déplacer un nanga. Même une chose comme ça, dis donc. Salotolo. Mais va te cacher, dis donc. T'as vu quand tu parles des gens, tu es minable, tu es misérable. Hein? Tu cries bou 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 bou, on t'écoute même pas. Va te cacher. Chose. Je te donne le bénéfice du doute. Hey. Si tu tiens à ta vie, hey. Je vais te faire enfoncer le bouton d'une moto dans ton cul. Les nez de ça, maman. Une fille au Cameroun peut donner les nez à une benguise comme toi, là, comme ça, maman. Et pleure. Tu vis ta petite vie là-bas au pays. Hey. Hein? Tu fais tes petits jobs. Il y a deux, trois personnes de pays qui hey. T'aident comme ils peuvent. Hey. Tu crois que je peux te permettre de mettre ta bouche? Je dis que... Est-ce que je te demande? Je dis que je te demande. Je ne te demande pas parce que quand tu insultes les gens, tu ne demandes pas. Bangala, Johnny Bravo, je ne te demande pas. Je te lave, mais de haute forme. Tu ne peux rien. Arrêtez de toujours venir sur les réseaux sociaux faire croire aux gens que vous êtes quelque chose. Wow, je vais faire emprisonner quelqu'un. Je vais faire emprisonner la lionne. Je vais faire emprisonner tel. Je vais faire emprisonner tel. Au finish, c'est la honte sur vous. La honte sur vous. Wow, je vais prendre un avocat. Rien. Hein? Vous avez les couilles, vous avez... C'est-à-dire que... Dis-moi, misérable comme ça qui vient me parler, dis donc. Hein? Tu as d'abord une vie stable en Beng pour venir me parler, maman. Hein? Une sale chose comme ça, jusqu'à me donner. J'aime pas les défis. Et toi, si tu fais tes choses comme Boum qu'on a fait aux gens là, moi, j'aime pas les défis. Hein? Pose-moi tous les défis que tu veux. Je vais relever, tu comprends. Oui. Je relève. Waka de ton espèce. On t'a dit qu'on m'a doigté le jour de mon mariage comme toi. J'étais doigté comme toi. Ou bien je fais la saleté comme toi. Regarde-moi, ma chérie. Hey, tu peux me menacer d'endroit là? Tu peux me faire quelque chose d'endroit là? Poubelle. Dis donc. Je peux te permettre de mettre ta bouche sur moi? Tu m'as déjà vu parler de toi? Est-ce que moi je te demande? Je te demande pas avant de mettre ma bouche sur toi. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit de donner mon avis. D'accord? Donc, si ça arrive que c'est sur toi qu'elle va décrypter ton live, je te lave, mais de haute forme. Et tu passes à la casserole. Voilà. Tu as compris avec quoi? Une chienne. Tu menaces qui? Je te dis qu'elle te méprise. Appelle qui tu veux. Est-ce qu'on ne connaît pas là où je suis? Carrefour et Tobo Namoussadi. Hein? Carrefour et Tobo Namoussadi. Je suis là. Envoie les gens que tu veux. Hein? Tu vas voir comment c'est toi qu'on va chercher quand tu vas atterrir à l'aéroport du Cameroun. C'est toi. Tu vas voir que c'est toi qu'on va chercher. Tu peux déplacer les nangas. Moi, je déplace. J'ai le pouvoir de le faire. J'ai d'abord le charisme de le faire. Tu es là comme une pauvre saleté que je ne sais même pas si tu vis au village. Vous suivez bien. Vous suivez bien. C'est mieux de rentrer. Tu es assise là-bas, la frustration. Vos maris ne vous pinent pas bien. Vous venez verser vos frustrations sur les gens sur la toile. Hmm? Une femme qui est tribale comme tout.
On va pas te parler, on va pas te dire, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux à la légende? Qu'est-ce que tu lui veux? Tu penses qu'on a peur de te parler? Une chienne, tu es même qui? Amour, une chose comme ça, dis donc. Là, tu parles de moi, mec. Mettez les cœurs, mes amours. Mettez le cœur sur. Dans le live. Hein? Donc, c'est bon à vous quand vous insultez les gens. Dès qu'on vous parle un peu, oh, je vais envoyer les gens. Tu oublies là où je suis, maman. Tout le monde connaît là où je suis. Hein? Tout le monde, je suis au shopping. Envoie-moi, je suis là. Sale chose. Tu peux me menacer? Tu as le pouvoir, tu as le charisme pour me menacer? Regarde-moi. Tu as le charisme pour me menacer, toi? Poubelle. Je te parle comme je veux. Je te méprise comme je veux. Si tu veux te faire respecter, arrête de clasher ma faux. Arrête de la clasher. Toute personne qui la clash, ça veut dire que la personne cherche le mépris. Tu la clashes, je te méprise. Si tu veux que les gens te respectent, respecte-toi. Oui. Tu ne peux pas dire que wow, tu veux le respect et puis tu passes ton temps à insulter, hein, en longueur de journée. Quand on vous parle un peu, vous pleurnichez. Vous posez les caméras, criez sur les gens. Mof. Et même quand je vais faire les gens autour de toi. Hey, même quand je vais faire les gens, ça part. Hey, parce que je te donne pas de moi-même, je te traite à la 10e personne. Si moi, tu me mets à la 5e, tu n'es même pas parmi les rangs. Parce que tu n'es rien. Tu n'es qu'une saleté. Hein? Tu n'es qu'une poubelle. Une sale vermine. Ouvre-moi tes entrecuisses, tu montres. On voit comment c'est. Dirty woman. Je te dis qu'on va te sodomiser. Hey. Maman, comment t'avais sodomisé le jour de ton mariage, non? On t'a doigté sodomiser, non? Hein? Toi, pourquoi vous aimez dire ce que vous êtes aux gens? 67 000 francs. C'est que moi, c'est quoi? On a fait le matin. Et on a payé la charge. Je dis pas encore. Comme ça qu'on arrange l'argent, Mango. Il m'a mis comme ça. Ouais. Elle ne connaît même pas les filles du pays. Une sale fille comme ça, là. Est-ce qu'on a peur des histoires comme ça? Quelqu'un même qui va faire quelque chose vient parler. 67 000. Une sale fille. Coucou ma Fomani. Marina. Voilà mon numéro. Hey. Je mets mon numéro personnel. Je la grippe mes gens. Donnez-moi son quartier. C'est pour ça que vous voyez, je suis un peu calme. J'étais moi couché. J'avais moi bu le remède, ça me tournait la tête. J'entends seulement que la salotologue, si vraiment. Où elle dit? Le quartier où elle est. Même comme je connais déjà le quartier où elle est. Hey. Donnez-moi. Moi, j'ai donné là où je suis. Toi, tu dis on a donné. À quelle heure elle commence? À quelle heure elle finit? Bangala, Johnny Bravo. Je commence à 9h30. Je finis à 20h30. Je te donne. Je commence à 9h30. Je finis à 20h30. Viens. Une sale chose. Tu peux même faire quoi, Kintoti? Mais dites-moi, envoyez-moi. Tu envoies, il y a tes enfants sur Facebook. Toi, tu ne peux pas aller faire. Tu ne peux pas chercher. Hein? Tu fais comme si tu ne me suis pas. Tu es ici tous les jours sur ma page. C'est moi qui t'ai chassé d'ici. Tu as lancé l'appel. Les abeilles t'ont chassé. On t'a dit que dégage de là. Va chercher. Va te faire voyeur. Hein? D'accord, ma fouflore. Hein? On t'a chassé comme une vieille serpillère. Le macabre de ça. Hein, on a dit, va te chercher ailleurs. Ne viens pas ici, là, sur notre page. Tu pars en pleurant. Wow, c'est monté, c'est descendu. Carrefour et Tobonamou, ça dit, envoie-les, salotologue. Hein, si tu ne les envoies pas, c'est que tu es minable. Tu es un minable personnage.
un chien qu'on a doigté. C'est-à-dire que les, même les salotolos qu'on doigte dans les toilettes pendant leur mariage viennent aussi parler dans Facebook. Donc tu vas aussi parler aux gens, ma. Donc les gens parlent, tu poses aussi ta caméra, tu te parles. Je vais un peu t'envoyer à la Kentini. Hey. Je vais t'envoyer à la Kentini. Quoi? Pécile, va. Hey. Les injures des enfants. Je suis Bengis, hein? Hey. Bengis. Je suis Bengis. Eh oui. Bengis qui ménage les filles au pays. Tu clashes alors avec qui? Oh, oh. Tu dis que tu clashes avec les Bengis. Qu'est-ce que tu as alors fait là? Tu as allumé carrément en direct pour clasher une fille au pays. Mm. Pour menacer que oh, oh, je vais monter et vais descendre. Tengbase Beauty. Acheté, je représente, j'utilise la gamme Sierra Beauty, la gamme Teng Métissé. Je vous recommande vivement cette gamme pour celles qui veulent devenir brune, étant comme une métisse. Moi, par exemple, je ne me oins pas tous les jours, hein, je saute parce que je ne veux pas trop, chanchagne. Il y a le teint caramel. Elisa Bangala, tu passes ton temps à insulter ma phono. Toutes tes journées, tu la caricatures, tu l'insultes. Donc, toi, on ne doit pas te prononcer. Toute personne qui... Je vous dis, je ne veux pas me répéter. Toute personne qui pose sa caméra pour dire qu'il va insulter ma faux, la lionne va lui manquer de respect. Si tu sais que tu ne veux pas le manque de respect sur la toile, puisque elle, c'est une légende. Elle n'est plus dans les histoires qu'elle va gérer gauche à droite. Elle gère nos publicités qu'elle signe. Elle gère nos contrats. Comme hier, elle a signé le contrat. Elle a encore signé, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, un nouveau contrat. Vous êtes où? Vous êtes où? Braqué là sur les caméras, cripsés comme les statuettes, les mauvais esprits de Facebook. Hein? Bangala, tu dis que tu défends ta soeur Gringa. Cherche-lui les contrats, non, Bangala. Jolly Bravo! Cherche-lui les contrats. Une sale chose comme ça, je vais envoyer les gens. Je suis au carrefour et tout, Bonamou, ça dit, j'ai peur de toi. Envoie-les, non? Donc, tu penses que toi, étant en bain, tu peux commander le doigt là que je suis là. Hein? Regarde-moi ça. Le champagne t'a dépassé. Tu presses, tu découpes les ananas, tu mets dans l'eau. Hey. Il l'a... Ilan Salotolo Maïm Kima. Maïm Kima, ça veut dire que je te connais, père. Je te connais. Mof, dégage. Oh, tu ne peux rien. Quelle paix en direct sur moi. Eh. Quelle paix en direct sur moi. Eh. La lionne. Et qui? Paix en direct sur moi. Mais moi, voici qui fait, non? La personne qui t'encourage. Tu m'as menacé de mort. Tu as prononcé mon nom, la lionne. Donc. S'il y a quelqu'un qui va te traquer, c'est moi. Je suis la deuxième oui. personne qui t'avertit. Qui? Et de puis, depuis là, vous avez fait quoi? Je suis la deuxième personne qui met sa caméra. Depuis là, vous avez fait quoi? C'est bon à vous quand vous insultez la légende. Coucou, tata venue, Germaine. Comment tu vas? Hein? Maman? Donc, quand vous insultez, les gens vous insultent aussi, ça fait mal, ma. Si ma faute était là comme vous, si ma faute avait le cœur comme vous, le cœur de poulet, c'est qu'elle met son corps où, maman? On connaît le Cameroun, hein? Ouf. Hey. On connaît le Cameroun. Mais bien sûr. Tu peux connaître le Cameroun plus que moi. Elise Bangala, attends ma grippe finie. Ma grippe finie, elle va te traumatiser. Tu as compris, non? Hey. Qui veut le Boza? Hey. Elle paye le Boza de quelqu'un. Hey. Et ça, quoi, il voit. Elle n'est pas folle par hasard. Vous êtes sûr que la fille n'est pas folle? Elle me parle que oh, j'ai les petits frères, qu'elle a payé les beaux-arts. Ça, quoi, il voit. Moi, je ne comprends pas. C'est la folie ou c'est quoi? Tu es un malade mental ou tu sais comment? Tu es un boum, Kena. C'est comment? C'est quoi ça? Hein? Quand tu me clashes, moi, je n'aime pas les adversaires faibles. Hein? Tu as les faibles. Je n'aime pas les adversaires faciles à jeter au sol comme ça. Il faut être coriace quand tu me parles. Tu es trop facile. Hein? Mais. Maman, tata Venus Germaine, voici une qui clash ma faute depuis des années.
elle propage la haine sur Facebook. Dès que je lui parle, dès qu'elle poste sa photo, elle dit qu'elle va me tuer. Qu'elle va inviter les Nangaboko venir me tuer. Jusqu'à depuis le matin, j'ai reçu au moins 10 coups de fil. 10 coups de fil. Que la lionne, tu as suivi ça. Il dit que laissez la bêtise là chercher la Starmania. Hein? C'est la Starmania que tu cherches. Depuis que tu cherches là, tu n'es pas star depuis là. Nous voici, nous, moi je suis venu derrière toi. J'ai les contrats. Depuis tu fais quoi dans Facebook? Ton projet dans Facebook c'est quoi? Vous vous levez le matin quand le mari ne vous pine pas bien. Vous venez crier sur ma faute. Vous criez sur sa tête. Hein? C'est votre... Mais mon frère. Hein? Quand le mari ne vous cogne pas, vous venez pleurer sur sa tête. Dès qu'on vous dit qu'arrêtez, c'est un problème. Oh, je vais payer, je vais payer. Tu vas payer quoi? Tu manges d'abord bien pour payer quelqu'un. Tu manges d'abord bien. Tu es là mal formé comme quelqu'un qui atteint du beri-beri. Hein? Johnny Bravo. C'est ton nouveau nom, Johnny Bravo. Donc quand je dis Johnny Bravo, sachez que c'est Élise Bangala. Hein? Ma Bangala. Tu es là. Tu dis que... La tête est grosse. Le haut est large. Mais les pieds sont comme ça. Comme ça. Gros petit. Hmm? Tu es là comme quelqu'un qu'on arrête, on laisse. Et c'est toi qui menaces les gens. Elle est courageuse jusqu'à mettre celle-ci, ce quoi eh. Celle-ci. Mais quoi? Oui, non. Tu es d'abord quoi? Tu n'es rien. Je te connais. Moi-même, je te connais. Je te connais. Je ne te connais pas moi non plus. Je te connais. Mais on va se faire ça dur et propre. D'accord? Voilà. Je ne m'enfonce pas le guidon de la tu ne me connais pas. Elle dit qu'elle ne me connaît pas. Elle n'a pas lancé l'appel ici. Les abeilles l'ont chassé. Rappelez-vous, on était ici, on faisait notre direct. Elle est venue lancer l'appel ici deux fois, non? Vous l'avez chassé, non? Deux fois. Elle ne me connaît pas, mais elle vient lancer l'appel dans mon téléphone. Elle a fait comment pour savoir que je m'appelle la lionne? Les gens qui veulent monter une sale chose comme ça. Bêtise de la nature. Tu connais les fans que j'ai? Tu connais les personnes qui m'aiment? Tu vaux quoi parmi même les abeilles? Tu vaux quoi parmi les lionceaux? Tu vaux quoi? Tu n'es personne. Tu es sale. Fais le direct dans ton salon. Tu montres ta maison comme les autres font souvent voir. Les sales filles qui aiment venir sur Facebook se faire voir. Hein? Elisa Batan, je vais te faire un challenge. Comme tu dis que je suis une fille du pays, je vais te faire un challenge, tu vas voir. Tu vas voir, je vais te mettre au pas. On va commencer les challenges. On va commencer les challenges. C'est-à-dire que je vais te chercher les challenges. Tu ne relèves pas ça, tu ne peux pas te cacher. Tu ne parles plus jamais de ma faute. Tu as compris? N'importe quoi. J'ai peur de toi. Je peux jamais avoir peur de toi. Quand on reste, on n'a même pas le temps. Moi, je ne devais même pas faire de direct aujourd'hui. Parce que je suis jugé, la grippe me dérange. Tu restes, tu vois une saleté comme ça, faire le direct jusqu'à prononcer ton nom. Tu ne peux rien faire. Tu vas faire quoi qui? Voilà ça que je fais le direct. Je te donnais ma destination. Fais ce que tu veux. Fais, j'attends, hein. Tu ne fais pas, tu n'envoies pas quelqu'un. Demain, te lave. Hein. Demain, je monte sur toi, même si c'est que le remède de la grippe là me traumatise. Je vais te faire quelque chose demain. Aujourd'hui, là, je ne finis pas mon énergie. Je dois me reposer. Tu as compris? Je dois me reposer. Pour toi, là, même seulement, je ne mets pas assez d'énergie parce que tu n'es pas une adversaire. Tu n'es perso, tu n'es rien. Pour toi, tu es trop léger pour moi. Tu as compris? Tu es léger. C'est comme si, quand je te parle même, c'est comme si elle descendait plus bas que t'es. Oui, tu n'es pas un adversaire. Je n'aime pas les trucs faciles comme ça. Un peu, tu pleures. Un peu, tu as fait le poste, le direct pour pleurer. Hein? Une sale chose. Occupe-toi de ton foyer, mais dégage. Hein? Vous êtes marié, vous avez les enfants. Vous laissez vos familles pour venir sur les réseaux sociaux discuter les places avec les célibataires. Quand je vais me marier, je ne serai plus comme vous. Hein? Oui, je ne serai plus comme vous. Hein? Pour voir l'autre Ngrengala.
Voleuse de mari. Tu vas prendre balle perdue tous les jours ici sur ma page. Voleuse de mari, comme tout. Hein? Une sale chose, une bêtise de la nature qui passe son temps à monter les coups sur les gens. Tu n'as pas honte, Ngringa. Regarde même les gens qui te soutiennent. Bangala, c'est qui? Hein? Johnny Bravo, c'est qui? C'est quelqu'un là-bas. Hein? Vous allez voir comment on a parlé. Comme maman Guylaine Chapu a dosé hier. Elle va sortir. Les joues pompées là comme un mauvais esprit. Tu n'as pas honte? Hein? Tu pensais que madame Guylaine Chapu n'a rien sur toi? Voilà qu'elle a tout. Hein? Qui a honte maintenant? Tes fans là, ils t'assument toujours, n'est-ce pas? Parce que je t'ai dit que c'est le genre de fans que tu as racolé tous les fans de Mafou, tous les détracteurs de Mafou, pour te faire une team. Regarde comme celle-ci. C'est une frustrée ingrate. Hein? La team des ingrats. L'ingratitude de ça. Hmm? Toute une bande d'ingrates. C'est malheureux, hein? Oui. Et c'est moi, j'ai peur de cette poubelle-là. Jusqu'à elle dit que oh, donne la destination. Moi, je donne. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien. Les gens, je vais me reposer. La grippe me dérange. Je ne peux pas faire plus d'une heure de direct. Le Fervex fatigue. Oh, maman. Le Fervex fatigue. Tu te couches que non, tu veux même un peu te reposer. Tu vois les sales choses comme ça là. Vous venez parler des gens. Je vais encore poster ta photo. Tu as dit que tu es en bracatanon. Je vais poster ta photo. Oui. Voilà. Je vais poster ta photo. Le jour où si tu dis même que portée pleine, je viens avec toutes les vidéos où la vidéo où tu me menaces. Voilà. Tu me menaces de mort. Les vidéos où tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. Hein? Tu as cœur de poulet comme ça, maman. Ton cœur là, c'est mou comme ça, maman. Et quand tu viens crier seul là-bas, personne ne te parle, tu te dis que tu es très forte. Hein? Tu crois que tu es trop high? Si elle veut monter sur toi, tu vas entrer en dépression dans Facebook. Je te dis ça. J'enlève même les lunettes avant de te dire. Si moi, je veux monter sur toi, tu vas entrer en dépression. On ne va pas te dire. Tu vas marcher dans Facebook, parler seul. Tu as compris, Johnny Bravo. M'a fumé. Hmm? Tu devrais te cacher. Hein? Bah oui. Hmm? Tu es la seule femme qu'on a écrasé son pistache le jour de son mariage. Hmm? Tu as plein de vidéos où tu attires le tribalisme sur la toile. Tout genre de problèmes sur la toile. Tu veux venir parler aux gens, maman. Qui ne connaît pas où je suis. Jusqu'à tu vas aussi sortir ta bouche. Et ce Bangala, même quand je me mouche, je suis propre. Hmm? Je te dis, je vais chez... Envoyez-moi le remember du doigtage. Et vous m'envoyez la vidéo où les abeilles sont allées lui rendre visite avec la Mafou. Je vais poster ça. Je vais voir ce qu'elle va me faire. Hein? J'ai peur de toi, maman. Hein? Envoyez-moi tout. Je vais poster. Ou vous m'envoyez le lien. Je poste. Hein? Je poste les bêtises. Salotologue. J'ai peur de toi. Pas peur de toi. Hmm? Je n'aurais jamais peur de toi parce que tu n'es personne. Merci Ndiki Ndiki. Tu n'es personne. Tu insultes ici, tu fuis sans direction fixe.
Tu passes ici, tu passes là-bas. Tu as pu ici, tu as pu là-bas. Mais je te dis que Nikita, envoyez-moi toutes les vidéos sur elle en eBay. Je vais poster. Je vais courir avec toi maintenant. Je vais montrer aux Camerounais que c'est-à-dire que ce que tu es jalouse de la légende. C'est-à-dire, je vais faire écouter quand tu la valorisais. Tu n'as même pas honte. Si on te demande ce que tu veux derrière ma faute, tu vas dire que tu veux quoi? Un peu, tu la racoles, un peu, tu l'insultes. Si on te pose la question à savoir, qu'est-ce que tu veux derrière elle? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu vas répondre. Moi, je peux justifier pour Ngrenga. Pourquoi je lave Ngrenga quand je veux? Toi, tu peux justifier. Hein? Doti. Tu vas arriver, mon nom. Wonderful. C'est toi, faites-moi la capture d'écran là. Où est ma publié là? Faites-moi la capture d'écran. Je peux même faire venir les gars de Yaoundé. Moi-même j'ai les petits frères de cœur. Oui. Ils sont prêts. Si je dis que levez-vous. Jenny, bravo. Tu ne me fais même pas peur. Mais tu ne peux même pas faire peur à la mouche, en fait. J'ai dit que ta chance, c'est que je suis grippée. Je devais m'asseoir sur toi aujourd'hui, là. Quand ma grippe va finir, tu vas comprendre dans ta chair. Tu as compris? C'est seulement le nom des autres qui sont bons à toi à insulter. On te parle un peu, tu pleurniches comme un nouveau-né. Tu pleures quoi? Vous pleurez, vous venez souvent pleurer même quoi dans Facebook. Moi, quand on me clash, ça me dit rien, hein. Je ne regarde même pas. Tu insultes une personne depuis des années. Elle ne t'a rien fait. Mais dès qu'on poste ta photo, tu pleures, maman. Tu pleures jusqu'à menacer les gens. Donc tu penses que tu peux parler comme ça jusqu'à j'ai peur de toi. C'est que tu ne me connais pas. J'ai fait les combats ici qu'on a dit que voilà ça qu'on l'a arrêté. Toi, tu es qui? Déplace même les gens de Yaoundé. Je m'assois sur leur tête. Tu as compris avec quoi? Je m'assois, je suis chef terre. À Douala, chef terre. Tu as compris? Je suis chef terre à Douala. Tu peux faire quoi? Même si ce n'était pas moi, que c'est une autre fille à Douala, tu peux bien faire quoi? Rien du tout. Tu n'es rien. Une sale fille comme ça là, on te laisse venir nous puer les odeurs partout dans Facebook. Tu poses ta caméra, tu parles à la lionne, la fille de la maf aux fleurs de lys. Tu me parles? Tu me parles, maman? Donc, je vais avoir peur de toi. Donc, je suis censée avoir peur de toi, maman. Je dois avoir peur, selon ce que tu as dit. Mais tu sais que tu ne me connais pas. Tu devais seulement m'ignorer parce que tu n'as rien sur moi. Tu ne peux pas clasher avec moi. Regarde pourquoi Ngrenga ne me répond pas pourquoi. Parce qu'elle sait que si elle me concentre, je l'applique, elle tombe en dépression. Et elle n'a rien sur moi. Ils ont déjà publié tout. Tout ce qu'ils ont eu sur moi, ils ont publié. Hein? Toi, tu vas t'asseoir, tu vas dire quoi de moi? En dehors de dire que je suis au Cameroun. Tu vas encore dire quoi de moi? Sérieux? Tu peux rire? Mes gens. Son idole, c'est ma faute. Bien sûr. Hein? Tu clashes, tu harcèles quelqu'un depuis des années. Mais il faut arrêter à un moment donné. Tu n'as pas honte de harceler une femme comme toi? Tu veux quoi? Même s'il faut que quelqu'un te niasse, on peut niasse une saleté comme toi, pleine d'odeur. Odeur partout, en bas des seins ça sent, aux aisselles puent, aux fesses ça pue. Mes cœurs, je vous laisse. Maman, je veux me coucher. Je vais me coucher, mes gens. Oui. Je vais me coucher. Je ne veux pas gâter mon énergie pour une sale chose comme ça. Je ne veux pas gâter mon énergie maintenant pour elle. Je me repose d'abord. Quand ma grippe a fini, je ne sais pas pourquoi le Fervex ne dilue.
Nana Cameron. Ma laisse. J'ai enregistré son direct, non. N'essaie pas aller devant vous. J'ai pas moi peur de ça, hein. Je suis une bangando. Moi, je suis une bangando. Une bangando pleine. Ouais, depuis 2 ans aujourd'hui, ils n'ont pas dit quoi. 3 ans, mon père est à la 3e année. Ils n'ont pas dit quoi. Hein? Yannicka, hein? Johnny Bravo, Elisa Bangala, je vais m'asseoir sur toi. Tu veux la Starmania, non? I go sat for you. Je vais m'asseoir sur toi, attends. Voilà. Moi, je vais travailler ma monétisation avec ton nom. Comme tu passes ton temps à crier le nom de quelqu'un qui ne t'a jamais rien fait là. Moi, je vais m'asseoir donc sur toi. Cœur de poulet. Oui, c'est moi là, magna. Après, le cœur de poulet de ça. Hmm? Salotolo. Va te cacher, va te laver, mon frère. Tu pues la merde là. Hein? Tu es puante. Ouais. Voilà. Ou tu peux te rallier à Boumkena. C'est ta catégorie. 2 sales filles. Hein? Les filles qui ont le teint noir ne sont pas comme vous. Elles sont noires propres. Elles brillent. Mais vous deux, vous avez un sale teint. Un sale teint. Parce que vous n'entretenez pas. Hmm? Si j'étais votre noir là, c'est que je m'entretiens bien pour briller. Hmm? Tu n'as même pas le temps de t'occuper de toi. C'est la lionne que tu vas appeler. Une sale chienne. Envoie ce que tu veux. Dis donc. Je bavarde même trop. Pourquoi? Tu as dit que si je suis femme, hein, je lance le direct sur toi. J'ai donc lancé. Va donc envoyer. Tu as compris, ma. J'ai lancé. Va envoyer. Mais que n'oubliez pas l'objectif de ce mois de TapTapSend. Téléchargez l'application TapTapSend. Utilisez mon code promo Lionne237. L-I-O-N-E 237 en majuscule. Et vous profitez un bonus de 5 euros à 10 dollars lorsque vous effectuez la transaction d'envoi avec mon nom. Donc, n'oubliez pas l'objectif de ce mois. On travaille ici, on bosse. Ceux qui ont les problèmes de cheveux, l'alopécie, les pellicules et consorts, n'hésitez pas de commander les produits Sowa Beauty. Les produits Sowa Beauty, c'est une gamme de produits pour cheveux. C'est une gamme pour cheveux. Ça traite vos chevelus, ça démêle, ça soigne. Ça soigne l'alopécie, tout genre. Donc, n'hésitez pas à tester les produits Sowa Beauty Maker. Et pour ceux qui veulent mon teint, je vous ai dit, commander les produits CL Beauty. J'espère que chacun a déjà son ticket pour le 2 novembre de la prestigieuse nuit de l'ambiance de la MAF ou Fleur de Lune. J'espère que chacun a son ticket. Si tu n'as pas encore ton ticket, rapproche-toi vers elle pour commander ton ticket. Voilà. On a encore quoi qu'on devait on devait en parler. Voilà. Allez vous abonner sur la page de la dame qui a, en fait, du nouveau contrat de la MAFO. Allons tous nous abonner sur sa page pour donner la force aux partenaires de notre reine-mère. Et n'oubliez pas aussi le meet and greet de la MAFO, je crois que c'est le 2 juillet. Coucou ma sister Kala Tati. Le meet and greet le 2 juillet, je pense. Ou c'est le 2 ou c'est le 6, je ne sais pas trop. Rappelez-moi mes cœurs. Le 2 juin, non. La grippe me traumatise. La grippe est dans ma tête. Ça fait comme ça, là. Ça me fait comme ça. Le meet and greet, c'est le 7. Le 7 juillet. Voilà. N'oubliez pas le meet and greet du 7 juillet. De la MAF aux Fleurs de Lille. Voilà. Blessing, Delma, tu es arrivé en retard. Il faut que je me repose. Mes cœurs, je vais me reposer. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo pour m'encourager. Parce que c'est à partir de mon code promo que je peux avoir quelques sous pour pouvoir mettre le crédit. L'autre écrit 7, l'autre écrit 6. Oh. Entendez-vous, non? C'est le 6 ou sur le 7?
Mambombo, c'est le 6, non? Parce que je sais que c'est sympa. C'est le 6 juillet. Voilà, samedi le 6 juillet. Moi, je savais que c'est, si c'est pas le 2, c'est que c'est le 6 juillet. Donc, la MAF organise, ses partenaires organisent un meet and greet le 6 juillet à Paris. Je pense bien à Paris, ouais. Donc, mes cœurs, je vais vous laisser, je vais me reposer. Dites à ma fumée, Mbangala, que j'ai fait le direct, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Qu'elle saute et qu'elle en l'air. Une douchi, elle va faire quoi? À qui? Elle-même ne fait pas. Toi-même, tu insultes les gens. Quand on t'insulte, tu pleures, maman. On t'a, moi, je ne t'ai même pas insulté. Il a dit que celle-ci-là, son problème, c'est quoi? Tu as commencé à pleurer. Je fais donc le direct pour te laver. Va faire ce que tu vas faire. Oui, ya non. Donc, je disais, mais que c'est en utilisant mon code promo que je peux avoir un peu de sous pour mettre le crédit et pouvoir faire le direct. Donc, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo TAPTAPSIN. Donc, c'est un peu ça. N'oubliez pas le meet and greet. Je pense que nous sommes déjà... Je vous laisse, mes cœurs. N'hésitez pas à passer... Merci, Bessine. N'hésitez pas de passer dans les boutiques La Diosa Shopping. Nous sommes là. Si tu es au Carrefour et au Boulamoussadi, je vous montre un peu quelques articles avant que vous ne partez. Vous avez vu non, la tenue de sport. Ensemble, tenue de sport. Vous avez vu. Donc, n'hésitez pas à commander. Vous avez vu cette belle robe. Cette belle robe. Il y a des talons. Voilà une talon Dior. Ouais, non. Il y a plein d'articles. Les mules, tout. Il y a aussi les barbouches. Hein? Vous avez vu, non, les barbouches Céline et consort. Il y a tout genre de barbouches. Hein? J'arrange les trucs ici tous les jours. Vous avez vu les barbouches, non? Hein? Allô, vous pouvez acheter soit pour votre chérie, soit pour vous. Voilà les barbouches. Voilà. Voilà. Tu peux prendre la barbouche ici avec le sac ici. Ça donne. Barbouche ici et le sac ici. Ça donne. Vous voyez les ensembles que nous avons en boutique. Voilà. Quand tu es habillé comme ça, hein, voilà les sacs. Voilà les sacs. Les couleurs sont disponibles. Voilà. Si tu veux, tu captures seulement. Tu envoies la capture et puis on te sert. Voilà, voilà. Voilà les beaux sacs photo. Il y a les couleurs. Vous avez vu? Voilà, les sacs. Les beaux sacs comme ça. La matière, elle est bonne. Vous voyez? Vous avez vu? Les beaux sacs comme ça. Voilà, les sacs des stars. Vous les connaissez, voilà les beaux sacs. Voilà, si tu veux, tu captures juste et puis tu envoies ta commande. Voilà, les beaux sacs comme ça. Voilà les photos et tout. Le petit sac, si c'est 12 000, le petit sac, si donc. On vous attend. Il y a les t-shirts. Il y a plein de t-shirts là. Voilà. Il y a les blazers et tout et tout et tout. Il y a les bibis. Il y a plein de choses pour vous, mes bébés. Donc, n'hésitez pas de passer en boutique. Il y a les talons. Je vous montre les talons tout le temps. Voilà. Pour ceux qui ont besoin, qui en ont besoin. Quand les clients touchent, ils ne rangent jamais. Voilà. Voilà, les talons. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes en boutique. La qualité au comptoir. Voilà. Il y a ces talons en noir aussi. Voilà, les boutons. Les mules. Ça, c'est une mule. J'adore cette mule. Très jolie. Voilà. Vous avez vu ça?
Voilà. Donc, si tu en as besoin, tu captures seulement. Voyez. Elle est rentrée de la Turquie avec ça dernièrement. Regardez la qualité de la chaussure. Le détail de ça. Le détail. Joli au pied. Pour ton mariage. Regardez cette mule. La talon n'est pas trop. Donc, vous pouvez acheter même à votre maman. Cette mule, elle est jolie. Et ça habille, oh. Vous voyez les pieds nus comme ça. Fashion, fashion. Les pieds nus à ras. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses au comptoir. Voilà, les tennis pour le sport. Il y a les couleurs. Tennis pour le sport. Voilà. Il y a les chaussures pour les hommes. Oui. Il y a les chaussures hommes. Vous voyez, non? Les barbouches hommes. Pour votre chéri. Voilà. Il y a les t-shirts, il y a les pantalons, les polos, il y a les montres hommes. Si tu veux offrir un cadeau d'anniversaire. N'oubliez pas que nous faisons aussi dans les cadeaux surprises. Vous voyez, il y a les bijoux, les verres, les verres, les verres. Vous connaissez déjà la qualité au comptoir. Il y a les ceintures. Les ceintures, voilà. Les ceintures Céline. Hein? Vous avez vu, non? Vous voyez les ceintures. Voilà, il y a les parfums, il y a tout. Il y a les parfums originaux et tout. Vous connaissez nos mousses intimes, non? Voilà. Avec nos thés ventre plat et thés minceur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer regarder si vous êtes intéressé. Il y a les perruques aussi. J'ai oublié de vous présenter les perruques. Il y a les perruques. Vous voyez les perruques que nous avons. Les perruques. Voilà. Il y a les chapeaux pour plage. Les chapeaux pour plage. Les casquettes. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous voyez la perruque qui est sur la, le mannequin là. Vous voyez ça ici. Qui est sur le mannequin. Voilà les sacs pour plage. Les sacs pour la plage. Voilà. Vous voyez cette belle tenue de plage. Vous avez vu, non? Cette belle tenue de plage. Pour les connaisseuses. Hein? Nous sommes situés au Carrefour Eto Bonamoussadi. La Diosa Shopping. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent passer les commandes, allez sur sa page. La Diosa Shopping Online. Je vous laisse, mes chéris. Il y a les bijoux. Je vous ai montré. Il y a les bijoux. Il y a les bracelets. Les petits détails de la femme. Les broches. Hein? Il y a les broches. Il y a les boucles. Il y a les boucles. Vous voyez les boucles, non? La qualité au comptoir. Il y a les porte-clés. Voilà les porte-clés. Bien joli. Tu peux mettre sur ton sac. Et tout. Donc, je vous ai tout montré, mes cœurs. Il y a les chapeaux comme ça. Vous avez vu les chapeaux, non? Déjà des chapeaux aussi. Ça habille. Déjà des chapeaux aussi. Ça habille bien. Vous voyez comment le mannequin est habillé avec ça. C'est trop chic. Dans mes cœurs, je vais vous laisser. On se donne rendez-vous après ma grippe. Voilà. Parce que ma grippe, là, ça me torture l'esprit. Bisous, bisous, bisous. Thank by Sierre Beauty.